Salut amis de YouTube, tu l'auras remarqué dans le titre de cette vidéo, je ne vais pas vous parler de dessin, mais on va rester dans le domaine artistique. J'aimerais vous parler d'un instrument de musique que j'adore en ce moment, en même temps faut dire que je suis pas très musicien, ça doit être un des seuls instruments de musique que j'ai chez moi. Enfin bref, c'est artisanal, c'est fabriqué par mon frère, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description de sa page Facebook si jamais vous voulez vous renseigner pour en avoir un aussi. Bon après sachez qu'il y a plein de gens qui en construisent. Alors ce petit bijou, si j'arrive à le sortir... Ça s'appelle un mazang, voilà. Ça fait du bruit. Enfin voilà, cet instrument est donc un mazang, aussi connu sous le nom de gas drum, hang aussi peut-être, que vous connaissez sous ce nom-là. Maintenant un hang c'est un petit peu différent. C'est fait à partir d'une bouteille de gaz, c'est totalement artisanal, et j'ai même des petites baguettes, sachant que je suis débutant, et qu'en général ça se joue plutôt à la main. Alors je vous préviens et je vous vois venir dans les commentaires, je ne suis absolument pas un grand maître de l'art musical, ni de cet instrument de musique, mais je vais essayer de vous jouer 2-3 petits trucs. Par contre, avec ce micro, on peut pas avoir toutes les sonorités de l'instrument, donc je m'excuse par avance. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Une autre petite technique aussi où on peut bloquer le son et on a une toute autre sonorité. Le désavantage de cette petite technique, c'est qu'on a une seule main pour jouer par contre. Thank you.
Voilà mon cher ami, ta petite berceuse est maintenant terminée, enfin ce que j'ai pu réussir à jouer. J'espère que ça vous a plu et puis surtout n'hésitez pas à partager la vidéo et aller checker en description le travail de mon frère. Voilà, je vous partage un petit peu ce qu'il fait parce que du coup ces instruments sont vraiment une pure merveille quoi. C'est génial, moi j'adore ça. Et puis en plus, c'est moi qui ne suis pas un musicien, pourtant j'arrive un petit peu à faire 2-3 petites sonorités sympathiques. Donc je trouve que c'est assez accessible. Et facile à prendre en main. Comparé au piano ou à la guitare ou avec ces instruments, personnellement j'arrive facilement à faire de la merde. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà cet instrument ou pas, et si vous avez apprécié du coup de découvrir ce nouveau petit chose et apprécier aussi ce style de vidéo un petit peu différent du dessin qu'on peut voir sur la chaîne. Et si vous avez aussi apprécié ce genre de vidéo un petit peu différent sur ma chaîne, dans ce cas je pourrais aller filmer mon frère jouer de ce genre d'instrument qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup bien mieux que moi. Allez, bisous. Tu dis au revoir Alfred ? Oui, salut.